terminamos la tasa final. Dans l'église du ciel et qui repose dans
dans cette cathédrale à ma gauche. Dans votre pays, à l'occasion des funérailles de l'ami, de votre ami, le 18 juin 1989, au stade du 20 mai, où nous avons célébré pour vous le vendredi, vous lui disiez à votre ami, je te rappelle encore notre histoire providentielle à nous deux, tu m'as précédé au séminaire, je t'ai suivi. Nous nous sommes rejoints dans le sacerdoce. Tu m'as précédé dans le discours, j'ai été suivi. Nous nous sommes rejoints dans la plénitude du sacerdoce. Aujourd'hui, tu lui as quitté cette terre avant moi. Moi aussi, je l'ai quitté pour venir de la vie. Alors, il faut que tu veilles là-haut pour m'accueillir. Le feu Captain Nathana va vous accueillir. Et l'on chantera ensemble le même veille des dieux. Mais rappelle-toi, c'est que nous sommes tous deux dans les yeux du Seigneur. Toi, tu es Pierre comme premier évêque. Et tu sais, Pierre est mort martyr. Toi, tu as souffert beaucoup avant de mourir, c'est ton martyr. Jean a souffert longtemps après Pierre. Et il est mort, fort, agile. Ça s'accomplit pour nous. Et c'est pour cela qu'il est répété chaque jour à ses disciples, petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Chers amis, c'est ça que je veux répéter souvent avant de te rejoindre. C'est ça que vous nous avez répété au dévouement. Et à la colonne vertébrale de chrétien de Kinshasa. C'est aussi ta devise, une caritate. Je n'aimerais pas mourir martyr comme toi. Toi, tu avais la force d'encaisser. Moi, je n'aimais pas. Et tu sais, on nous avait qualifié d'un nom très éloché des trois évêques de Kinshasa. C'est la Trinité. Cardinal Nakula, c'est le Père, Monseigneur Chibangu, Dieu le Fils, et Monseigneur Mouké, l'Anse, l'Esprit Saint. C'est trop élogieux. Les gens avaient remarqué en nous une collaboration, une union très sincère. Et nous, les enfants, les petits-enfants, les deux poumons, le clergé du monde, les sœurs thérésiennes, la colonne vertébrale, tous les chrétiens de la chinoisée de Kinshasa, nous faisons éloge de vous, les hommes illustres, nos pères, nos ancêtres, l'un après l'autre. Le Seigneur vous a donné une belle gloire, une partie de sa gloire certaine. Des individus souverains dans leur royaume, des hommes rayonnés pour leur énergie. D'autres ont poussé aux sages décisions, ont parlé en prophète. D'autres ont guidé le peuple par leurs avis, l'ont enseigné par leurs propos, plein de sagesse. Ils étaient un sujet de fierté pour leurs contemporains. Certains d'entre eux ont laissé un nom comme le vôtre, ont réduit encore leur louange. Siraci, 44-20. Puisque vous nous avez laissé le secret d'une longue vie, la régularité de ce que nous avons appris au séminaire, nous disons avec les psalmistes,
et vous le niez, comme vous le dites souvent, en vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, et souvent on oublie l'autre partie. Pourquoi? Pour annoncer que le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Le psaume 91. Thank you.
Merci papa d'avoir été des nôtres
Merci d'avoir mis tous vos talents précieux de l'Éternel au service de notre école scolaire, à notre diocèse, à l'Église, à notre Église et à l'humanité. Que la terre, que l'Éternel, Dieu de justice, sache vous récompenser, qu'il vous accorde un repos éternel et bien mérité dans son royaume céleste. Adieu, son excellence, Monseigneur Papa et Jean Marie, que ton âme repose en paix. Sokomo Bawi de la Yé Namaï Miso, de la Matasse et la Tissette aux Arena Mamané. C'est Madame la Ministre, chargée de l'éducation, la ministre provinciale. Sokomo Bawi de la Yé Namaï Miso, 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 de la au complet scolaire
Les former à la maîtrise
un côté pourri pour que les gens se tournent. Il n'y a pas de maîtrise. De maîtrise de nos sens. Et vous disiez encore, regardez, dans notre pays, nous souffrons parce qu'il y a trop d'égoïsme. En principe, le peuple ne devait pas souffrir comme ça. Chacun s'occupe de ses propres intérêts. Et cela vous faisait souffrir un peu de prière. Le meilleur qui m'a destiné. Dites-lui que nous continuons à
d'œuvrer au sein de cette école pour que sa mémoire aussi puisse toujours se perpétuer. Aujourd'hui, nous savons que vous êtes ensemble et que là, auprès de
Sakawa, na hommage à Bana Manikimo, Bai Bazali, Matia Mumbago, Dali Kitumate, Bébé Bassa Mumbago,
notre commandateur. Chacune de nous garde un souvenir de lui. Et la sœur Marie n'a pas parlé au nom de toutes les sœurs de l'Esprit. Ya un poco la hizo batería.
protocole. Peut-être mon idée qu'à monter à ta guérille pour la mise à quel idée la dégâts à sa vie. Et c'est d'avoir été notre vrai tata monter.
biographie succincte de Son Excellence Monseigneur Eugène Mocquet. Est né le 25 mars 1916 à Mongobélé dans le Maïndombé. Enfant, il est inscrit à l'école primaire du collège Sainte-Anne où, avec son collègue Joseph, le futur cardinal Malula, il bénéficie d'une formation de rigueur auprès du père Raphaël de la Quétule. À 15 ans, il part au petit séminaire de Mbatakiela à Boma de 1931 à 1934, puis de Bolongo à Lissala de 1935 à 1936. En 1937, il évolue au grand séminaire de Kabwe. À la fin des études, il est nommé professeur au petit séminaire de Bokoro avant d'être ordonné prêtre le 9 juin 1946 à Léopoldville. Prêtre, l'abbé Eugène Mocquet est nommé directeur à l'école Saint-Jean Bosco. À côté de Joseph Malula, il travaille au projet de la formation d'un clergé autochtone et à l'inculturation de la liturgie. C'est ainsi qu'en 1960, il ira passer une année de formation de liturgie à Bruges et à son retour sera nommé directeur du petit séminaire de Mikondo. Quand Monseigneur Joseph Malula, évêque auxiliaire de Léopoldville depuis 1959, sera fait archevêque en 1964, Eugène Mocquet est nommé vicaire général. Il poursuit le projet pour la pastorale des vocations diocésaines. Aussi passera-t-il en 1966 un séjour de 6 mois en France et en Belgique pour voir l'organisation de la pastorale des vocations. En 1970, il est nommé évêque auxiliaire de Kinshasa avec Monseigneur Tshibangu. Pendant au moins 20 ans, Kinshasa sera ainsi dirigé par les trois hommes de Dieu, le cardinal Joseph Malula, Monseigneur Mocquet et Monseigneur Tshibangu, qui lui donneront une image particulière au sein de l'Église en Afrique et dans le monde. En 1989, à la mort de celui qu'il prenait pour frère et ami, le cardinal Malula, Eugène Mocquet prend la direction de l'archidiocèse en qualité d'administrateur diocésain jusqu'à la nomination du cardinal Frédéric Etzou. En 1991, Monseigneur Mocquet prend sa retraite. Du haut de ses 99 ans, il a continué à s'occuper de l'éducation de la jeunesse à l'école qui porte son nom, mais exerçant aussi une pastorale, un ministère de présence au sein de l'église particulière de Kinshasa. Homme de rigueur et de générosité, toute sa vie a été un don, une grâce pour l'église et la nation. Il s'est éteint le 6 avril 2015, lundi de Pâques, à l'âge de 99 ans. Bandeko, tobo ya masumu mabiso, pote tobo ngokolia na motema molamu limpati ya mokonzi. Nandimite na salimabe, o miso manzambe wabokasi bonsi. Omi soma no bandeko bangai na sumuki mingi na makanisi na maloba na misala pe na botiki masengisi mangai
solo nandimite na salima be yango wana na kobongela ngondo mo santu maria banzelu na basantu banzu na bino bandeko bangai banso kosambela mokonzi po ya ngai nzambe wa bokasi bonso ayokela biso mawa alimbisa masumu mabiso akamba biso bomoi bwa lobiko Bandeko bana banzambe boboto elongona koral toku misanzambe tata mwana na elimo satu na loyembo la nkembo Yoane babikisi motomoko akufi makolo bazali na ino koloba na bayuda otempelo banganga nzambe bayei bango na mokonzi wa tempelo mpe na basadusaya bayokite mpo ya nsekwa ya Kristu baapostolo bakoteya te bato bakosekwa obawa basiliki mingi bakangi bango bakotisi bango oboloko te ntongo pamba te butu bosili boyindi nzokande bato bayike bayokani bayokaki mateya ma petro bayambi bongo motuya ya bayambi kotanga bobele babali Mokomi soko nkoto itano
Tongo etani bakonzi ba Yuda bayangani likita o Yerusalem elongo na bakolo pe batei ba mikanda nampe ananganga mokonzi na Kaifa na Jonathan na Alexandre na bato banso ba mabota mabanganga bakonzi ba bengi ba apostolu okati ya likita pe batuni bango po esalaki bino bosalaki yango na nguya ya nini pe okombo ya nani wana Petro atondi na elimo santu alobi bino bakonzi pe bakolo bamboka boyoka bozali kosambisa biso lelo Zambi tosali malamu na moto wa bokono pe bokotuna biso boni boni moto wana abiki boye bate ye atelemi omiso mabino nzoto kolongono onkombo ya Yesu Kristu moto wa Nazareth oyo bino bobomaki okuruze kasi nzambe asekwisi ye obawa ye azali libanga bino batongi na ndako bobwakaki likomi libanga likokumba ndako mobimba nzela ya kobika na moto mosusu ezali te okati ya bato awa onse kombo esusu mpo tozwa libiki ezali te. Puisse t'accompagner jusqu'au pied de son fils. Au revoir et à bientôt, mon Seigneur. Mozalina Bakola Zalina Kote Mayakondima. Ezala solo lingomba liye likola kisa mwinda moko kamba bato omboka tata to sambela Lelo, tata, mon Seigneur, mon pied, mon konzi, atiaye, pene pene naye, azala na boboto, ape misaye, omboka seko to sambela. Katano mokonzi aso balembete kasi basukisa mosala mwa bango Baye bate, biso omokili bikoleka. Bongo bati ya motema na biloko byanse eyete to sambela. Opesa biso eni mosantu bayo. Awa lelo, tola la pongite. Kasi to simba mwinda o maboko bongo mokolo moko mokonzi ayamba biso omboka ya ye to sambela
Lo sambo la iglesia lo utina yo ondi malango manso to singi yo opesa biso mango zambi la Cristo mokonzi wa biso.
Tika Fulele. Tokopesa Boko Mayebisi. Le père Charles Lenert.